Monsieur! Bonjour. Monsieur, il s'est passé un truc horrible. Ah, ça sort à droite, on ouvre le feu. Là, je vais te tirer dessus, Ouais, ouais, cachez-vous. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, les petits potes, nouvelle vidéo sur le serveur RP DG Live France, les amis. Donc, tout d'abord, si vous voulez nous rejoindre et jouer avec nous, avec moi, Shivaz, Monsieur Digi, tous les liens sont dans la description, les petits potes. Donc, vous verrez, il y a également un petit lien qui présente le serveur. Donc, c'est un serveur RP entièrement modé en français, vous allez voir. Donc, il y a des petites choses assez exclusives, comme le McDonald's, par exemple. Il y a toutes sortes de métiers, pompiers, gendarmes, garagistes, concessionnaires, enfin bref. Allez voir dans la description, les petits potes. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, surtout, et à me le dire en commentaire, hein, ça me ferait extrêmement plaisir, et je répondrai à tout le monde, d'ailleurs. Donc, on est parti, donc je vous explique ce qui s'est passé un petit peu, là. On a été appelé pour un braquage à la grosse banque du Nord, là. Donc, on y était, et vous allez voir, ça s'est plutôt bien passé pour nous, on va dire. Donc, vous verrez ça dans la vidéo, les petits potes. Donc, je vous dis bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner. C'est où qu'il faut se mettre? Braquage. Oh, il y a un braquage en cours, putain, on n'a plus d'essence. On a un braquage tu en mets cours. Le point. Ah ouais, quoi. Ça. Il y a John en plus, dans la Banque de France. Ouais, dans la Banque de France. Oh merde, qu'ils viennent. Ou ouais, là, ouais, on est qu'à deux, hein, ils peuvent pas, non. On est que deux, ouais. Enfin, des 3 en tout, mais 4 avec John, ça, ça ah, je peux pas. Mais John, il est déjà, c'est lui qui braque. Je peux pas enlever mon point. Ah ouais, attends. Je vais l'enlever. C'est John qui braque, il a son point là-bas. Ah merde, je suis à total là. Je m'en fous, je viens en civil. Ah non, t'as pas allé normalement. Si tu te fais tuer, c'est chaud. On t'attend ou pas, Jules? Ouais, comment ça il allait, barrer les routes et tout, n'allez pas trop proche, essayez pas de négocier ouais. Ni rien. Non, faut être à distance. Papy, Tito. Non mais j'ai l'habitude. Je vais chercher mon service. Ouais, attends-moi au commissariat, j'arrive. Ouais, bah oui, j'arrive du coup. Je vais arriver alors. Je vais venir te chercher, je suis en Ferrari donc je vais arriver vite. Voilà, on va mettre DRF à la butte. En bas, là, les gars, ils nous voient pas normalement. Ouais, mais là, s'ils prennent le virage, ouais, vas-y, viens, on sort. Attends, bouge pas, je sors. Ah, mais. Allez, mais j'ai du mal à sortir sur des véhicules, là, sérieux, mais. Sors du véhicule! Putain, je suis tombé sous la map, casse les couilles, commissariat. Ah, ça y est. Je suis tombé sous la map, je suis obligé de refaire. Ah, je vois une grosse marque de ça. C'est bon, je game, nickel. Super. Attends, je laisse un passage pour la voiture. Hein. Moi, je rentre avec le pompe là-dedans, je suis en attente. Faites gaffe, il y a des herses. À la montée en face de la. Ouais, rue, du sud. Rue Alta Street. Et bon, on verra, faut qu'on aura plus de pneus, on sera pas mal. Faites gaffe. De toute façon, moi je vois pas, je pourrais t'allonger. Je vais quadriller par là, attends, je game. Je vais par là-bas. Oh là là, j'ai fait mes. Tu vas aller où? Hop, je ressors. Moi je vais par là, je vais quadriller le côté. Attends, je vais devant le commissariat, hein. Je vais en face du côté. Ah, y'a le pompier qui est là. Qu'est-ce qu'il fout là, le pompier là? Dis-lui de partir. Mais il est rentré à l'intérieur. Sérieux, il est rentré à l'intérieur? Ouais, donc c'est un suspect potentiel. Le pompier est rentré. Ah, il est ressorti. Non, sauf s'ils ont un blessé. Ah, j'ai un visuel ici où je suis là. Tu veux le point? Le pompier repart. Ah, mais je sais comment il allait. Le pompier repart, les gars. Restez pas là, monsieur, restez pas là. Urgent, bah on va pas y aller. J'ai aussi un appel. Ah, d'accord, mais on va aller plus vite. Pas trop près, j'ai tu connais comment il allait rapide au haut vite. Comme ça évite de restez pas là, monsieur, allez-vous-en, il y a un braquage en cours, c'est dangereux.
fait un... Voilà, comme ça. Partez d'ici, monsieur, je vais mettre... j'ai quadrillé la zone, là. Partez d'ici. Ouais, mais attends, il dure plus longtemps, les braquages. Les gros braquages comme ça, c'est 2000 secondes. Donc, ah, ouais, d'accord. Ça fait en minutes. Avant, c'était même pas 800. Ils sont là, ils sont... Ils sont sortis? Bah, la porte elle a bougé. Ouais. Je vais aller chercher mon véhicule. J'ai quadrillé des herbes partout là. T'as quadrillé partout? Attends, je vais mettre un truc à la ruelle là. Comme la dernière fois. À la petite ruelle là-bas, ouais, ça peut sortir là-bas, ouais. Go. On se cache. Ah, faut pas aller comme des bois, ouais. Non, mais on est là. Je pense que je peux monter sur le toit dessus là, j'ai essayé. Il a un mec sur le toit, là. Sur quel toit? Là où il a l'espèce de gros totem, où il a le nightclub, il a un mec sur le toit du nightclub. J'ai vu un truc bouger, hein. Courir. Il y a multi, c'est marqué multi. Ok, Jules, fais gaffe à toi. Je vais monter en haut, moi. Je vais voir le mec. Fais gaffe à la DR, ça ici. Ouais, t'inquiète. Quadrille comme ça, ouais. Bon, est-ce qu'on va réussir? Ça m'étonne. Parce que là, il y a du lourd. Il y a du lourd à l'intérieur. Il est où le mec du toit? Il a une visu sur moi, vous croyez? Je suis devant la banque là. Ouais, fais gaffe, il fait de tirer en pleine tête. Ah ouais? Je vois pas où il est, le gars du toit. Sur le toit. Il est. C'est où là, l'espèce de totem là, à droite? Reculez, monsieur, cachez-vous dans une ruelle. C'est dangereux ici. Monsieur, mais je reste là au cas où si vous faites toucher par des balles et tout ça. Non, mais moi je vais le voir. Ouais, d'accord, mais cachez-vous un petit peu. Je suis pas très loin parce que. Cachez-vous. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, de là, je pense pas qu'il. Y a des hommes sur le toit, monsieur, donc faites gaffe. Ah oui, je tombe, mais en première personne, le gars il était mon con, il arrive pas à attraper une échelle. Non, parce que je tiens à rester là en fait, pour votre sécurité aussi. Ok. Si vous faites toucher. Ouais, d'accord. Donc il y a le pompier avec nous, si on se fait toucher, il va nous réa direct. Ouais, mais. Faut pas qu'il nous réa direct pour qu'on se relève, donc on leur retire dessus, les gars. C'est un peu. La porte à nous. On oublie ce qui se passe. Bah là c'est nous relève, bah... c'est pas mal. Ouais, bah oui. Ouais, il peut pas nous relever comme ça en pleine action RP. Bah de toute façon il va se faire buter s'il reste à côté. Y'a personne sur le toit, je vois personne. Mais il est à droite, il est caché, hein. Il est pas con. Hein. Sur le toit qui a l'étoile là. Ah t'es sur le toit là toi. Ah je crois que t'étais sur le toit. Mais j'ai vu quelque chose courir, hein. Je pense que c'est un gars. Je sais pas où le mettre moi du coup. Ouais, tu le vois pas, mais t'es mongol. Il est où? Monsieur, si vous voulez, au pire, eh ben, vous pouvez monter sur le toit d'en face. Tu le vois, toi? Ouais, y'a déjà des hommes postés sur le toit d'en face. Y'a un accès qui est là-haut, là. Tu le vois, on va pas monter là-haut. Où vous êtes, les gars? Ouais, je vais aller voir ça. On est sur le toit. Il est sur le toit du nightclub. Vous verrez, y a, là-bas, normalement, il y a une ruelle, et vers mon ambulance. Et vous verrez, il y a une échelle, normalement, qui... Il y a plusieurs échelles et bah qui est bien. Non, mais cette fois-ci, on se fera pas avoir. On a déjà des hommes sur le toit. D'accord. Moi, je suis en bas, vous voyez? En bas à droite, l'autre côté. Par contre, c'est chiant, ça fait des flous. Quand tu regardes, ça fait des flous. Des bah, tu peux l'enlever, ça, dans les paramètres. Ah bon? C'est tu vas dans graphique tout en bas. Alors, attends, je vais te dire. Paramètres. Tu vas dans graphisme et tout en bas. Flou de l'arrière-plan, tu mets 100. Derrière plan sans compliqué, oui. La porte elle s'ouvre là, faites gaffe. Tu restes en haut, je vais descendre. Moi je suis pas couvert où je suis là. Ah, moi non plus. On tire s'ils sortent ou pas là. Oui. Ok, il y en a un qui sort. Enfin, il a montré sa tête. Ah, ouais, c'est un nouveau fait. Mourez pas, les gars, mourez pas. Vous êtes dedans? Le mec du nightclub il va pas tarder à se montrer. Mais les portes elles s'ouvrent pas. Ouais, cachez-vous. Ah bordel. J'espère qu'il y a personne dans notre dos. J'ai pris des balles, hein. Mets-toi un medikit. Ah oui.
Tu sais, ça va, monsieur, vous avez pas été touché? Non, j'ai pas été touché, non. C'est vrai qu'il n'y a pas apprécié. Bah, j'ai tiré. Pourtant, il y en a un qui est parti par la droite. Hein. Pourtant, enfin, je sais pas si vous avez vu. En levant les mains ou pas quoi. J'aurais pu. Ah. Ou non, non, ça devait être un mode B. Avec la SMG. Moi, je suis avec la tuque de combat là. Bah, moi, je suis sur un toit aussi, donc faut que ça soit. Ah, tu avec la AK, t'es. Ah, il faudrait un véhicule là pour que je me mette à couvert. Je vais aller piquer un véhicule à mode B. Ouais, bah si vous voulez, j'ai mon emploi. Je suis toujours sur le toit, mais je vois pas le mec du totem. Hein. Je pense que tu veux que je descende. Moi, je... si je vois que c'est des otages, je tire pas, mais si je vois que c'est un mec à gueuler. Ça marche. Et. Ah. C'est moi ça. J'ai pris une voiture pour faire un... une couverture. J'aurais dû avoir normalement un sniper avec vous, un peu de grade. Ou soit il y en a qui passent un test pour avoir juste le sniper, pour avoir la distance sniper. Pourquoi elle avance pas cette caisse là? Et moi je suis très bon au snipe, mon colonel. C'est un sniper là, la position que vous avez là, je sais pas pourquoi vous pouvez monter là-haut. Bah la position avec un sniper, vous êtes bien là. Vous en avez pas? Non. Ça pas terrible. Toujours à la recherche du mec, ça serait une bonne chose. Moi je suis balle. Non mais moi s'il faut, moi je peux être le sniper de la team gendarme. Moi je suis très fort en snap. En snap je fais du sale sur GTA. D'accord, bah si tu te sens bien, ouais, ouais là, moi en snap je suis capable de mettre. Même sans viser, je fais juste deux secondes, paf, je mets tête. Passe. Ah ouais, putain, trop il bien. Il n'y a pas d'autres gendarmes. Ah, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ah, il se rend, les mains en l'air. Non, c'est pas un. C'est un. Un otage. Ouais, je peux pas tirer, je peux pas tirer. Je l'accueille ou quoi? Bah il est rentré. Mais de toute façon c'est un otage de quoi? C'est Baster donc. Non mais moi ah. je pense qu'ils ont fait sortir l'otage pour dire qu'ils ont un otage. Ça moi, hey, je peux avancer avec les mains en l'air. Si vous tirez aussi sur les mecs derrière. Non mais à partir du moment que si je mets les mains en l'air, ils ont pas le droit de tirer. Attends, je vais voir juste la situation, je range mon arme. Je vais mettre les mains en l'air, bougez pas. Faut que tu te mettes derrière la voiture de gendarme sinon. Je suis ton commandant, je te donne l'ordre de pas tenter, je te le dis parce que c'est pour ta vie, mais. Ah, c'est un j'ai fait 3 voies, mais quitte à rester 3 heures là, je préfère parce que tant qu'ils sont à l'air, ils sont baisés. La situation, mon colonel. Ah oui, mais la situation, c'est que tu vas te retrouver à la morgue encore. Donc, Moi, enfin, il y a un pompier sur place, mais bon. Non, mais là, c'est pompier, mais bon. Ouais, mais si je mets les mains en l'air, ils ont pas le droit de tirer. Non, ils ont pas. Il y a John dedans, je pense qu'ils vont être corrects, à mon avis. Vas-y, je te couvre au cas où. Vous me couvrez, les gars, je vais voir la situation un peu là. Et là, ça risque pas, ça va dégénérer. Sinon. Hitler, ils l'ont pas eu le braquage. Non, il a pas été terminé encore. Bah, dis-leur qu'ils lâchent l'otage, on les laisse partir, pas d'histoire. Je veux juste savoir voilà. S'il y a un otage. Qu'ils arrêtent tout, s'ils ont eu de l'argent, qu'ils donnent l'argent. Donne l'otage, on les laisse partir, il a plus de soucis. Voilà. Ne tirez pas. Je suis désarmé. Ne tirez pas, je veux juste savoir la situation. Vous m'entendez? Il sort. Vous m'entendez? Vous m'entendez? J'ai les mains en l'air, je suis pas armé. Calmez-vous. Je suis là juste pour savoir la situation là. Voilà. Est-ce que j'ai un. Oui, je suis conscient. Là, j'ai les mains en l'air, je suis pas armé, je suis pas là pour vous tirer dessus, je suis là pour comprendre la situation. Il y a un otage avec vous, ne tirez pas, vous voyez bien? Ouais, je. Ne tirez pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la porte qui le protège. Tu vois là, il a comme un escalier là. Je peux même pas te sauver s'il sort. Tu vois, là, non, où non, la murée, là, personne ne tire, d'accord? Personne bah, ne tire. J'ai vu quelque chose. Ou soit c'est un bug de texture du Wanna Club, mais ça je va crois aller, qu'il y a quelqu'un qui a avancé, qui a reculé. Hein. Fais gaffe. Hein. Ok. Pas question, putain, je garde l'œil ouvert. Parce que moi, de là, moi je vois comme un. Je sais pas, j'ai pas tout visité le Wanna Club. Ok les gars, vous m'entendez? Ouais. Non, c'est moi. Tirez pas. C'est moi. Et là t'aurais pu me faire tuer mon gars. J'ai voulu prendre la souris. Du moi je peux tuer un mec si je veux là. Ouais. Bah, j'ai dit non, ils vont pas tirer, c'était juste pour savoir la situation. Donc du coup, il y a bien un otage.
J'ai demandé combien de personnes il y avait dedans, ils m'ont dit 8, mais ça m'étonnerait. Ah ouf. Ça m'étonnerait qu'ils sont 8 dedans. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est... ils veulent repartir comme ça, et ils redonnent l'otage. Et l'argent. Ouais, bah c'est... Ils gardent l'argent, ils finissent ce qu'ils sont en train de faire, ils partent, ouais, bah, et ils relâchent l'otage. Faut pas qu'ils gardent l'argent. Non, dis-leur, retourne, dis-leur, non. Ils peuvent partir, mais ils gardent pas l'argent, ils terminent pas le braquage, sinon... Dès qu'ils vont sortir, ça va être le carnage. Bon bah je tente le risque. Bon. Bah, je reste en radio. D'ailleurs, ils lâchent l'otage, on les laisse partir, c'est déjà très bien, on les laisse déjà partir, quoi, c'est très bien qu'ils ont déjà fait plusieurs braquages. Donc déjà, on les laisse partir. Attends, je suis un RP, je reste en radio. Ok, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? Ça, je recharge mes armes. D'accord, très bien. Donc j'ai l'ordre de mon colonel, hein, j'ai vu ça, j'ai expliqué la situation tout ça, qu'il y avait un otage, que vous voulez finir ce que vous êtes en train de faire et puis relâcher l'otage. Mais d'après mon colonel, faut mieux que vous arrêtez le braquage et après on peut négocier pour l'otage. Ils peuvent pas repartir avec l'argent. Vous pouvez... sans l'argent. Ouais. Là, après moi, j'obéis aux ordres, hein, tout simplement. Hein. Non, mais il n'y aura pas de mort du tout, il y aura. Bah, si par contre, s'il termine tout et qu'il sorte, là, il aura des morts. Voilà, après, c'est. S'il y a des coups de feu qui veut. Après, faut pas. S'ils sortent avec l'argent, il y aura des morts. Il y aura des morts, quoi. Faut pas qu'ils sortent avec l'argent. Si vous sortez avec l'argent, là, il y aura des morts et là, on va tirer. Non, mais là, on va discuter un petit peu. Calmez-vous. Ok. Nous, je vais pas vous dire le nombre qu'on est. De toute façon, là, vous êtes ça. Moi, je vais vous dire, monsieur, juste une chose. Après, moi, je suis pas censé savoir combien vous êtes dedans. Mais je sais que là, nous, la zone est cadrée, elle est quadrillée. Donc, voilà. Donc, tout le tour de la banque, là, c'est rempli de gendarmes. Donc, après, c'est à vous de voir. Voilà, moi je transmets juste les informations de mon colonel, c'est tout. Voilà, je vais reculer. Voilà, quoi. Dis-leur bien, c'est sans pas l'argent au tir. Bon, c'est soit voilà, maintenant. Donc, je vais voir ça avec mon colonel. Je vais voir ça avec mon colonel, puis on va voir après. Ça marche. Pourquoi les mêmes dégâts? Putain! Il est tombé? Oh non. Attends, je préviens le pompier. Bien le pompier, ouais. T'es tombé où là? Putain, fuck la première personne. T'es où? Ah, il est tombé. Il est devant le. La banque. Il est devant la banque. Monsieur le pompier. On a un blessé là. Suivez-moi. Non, t'inquiète. Attends, il y a le pompier qui arrive. Ah, il arrive, il était à côté. Ouais, juste il est avec moi. Ouais, on lui a dit de rester dans le coin au cas où s'il y avait des blessés. Couvre-le. Ouais. Couvrez-moi, les gars. T'es où? Vas-y. Bon, il est là, vas-y, là, tout droit, Julien, tout droit. Encore. Ah, ouais, il est là. Il est juste ici, monsieur. Ok. Il se dépêche, par contre. Couvre-moi, il va. Ouais, dépêchez-vous, monsieur, dépêchez-vous. Il a juste les jambes pétées, la colonne verte, elle va le péter, mais il peut encore tout. C'est bon. C'est bon. Ça va aller. Il va le remettre. Il est juste tombé de. Ils vont peut-être tenter de sortir, faites gaffe, ça. C'est peut-être une problème. Continuez à viser. C'est bon. Nickel. Bon, ils sortent ou pas? Bon, à l'époque, elle... Ah, ça sort à droite. On ouvre le feu? Ouais. Ça sort. Ah, j'avais touché un. John est dans. C'est bon, il a eu. Tito l'a eu, John. L'otage il est rentré. Tout le monde est pas sorti là. Ah j'en ai un à la porte. Porte gauche. Touché. Porte gauche. La porte là. Qui fait l'angle là. Ouais là. Touché. Il est pas bien. À la porte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sortis? Ils sont encore vivants ou pas? Dis-toi. Ouais, ils sont partis sous le cinéma. Ok, c'est débuté.
Ouais, je suis mal, je me replie, Vas-y, vas-y. Ouais, t'inquiète, vous inquiétez pas, remettez votre vie, nous on s'en occupe des portes. Je me remets ma vie. Ok, je passe en pourchasse sur les autres. Ouais, fais gaffe, hein. T'inquiète. Ouais, couvert, hein. Tire pas si t'es pas sûr des avoirs. Non, non, mais t'inquiète. Là, ils ont passé. On a eu deux déjà, hein. Est-ce que tu veux que je prenne la voiture? Non, non, va pas prendre la voiture, c'est trop près. C'est moi qui tire, non, c'est pour avoir la porte ouverte, parce qu'elle se referme. Ouais, c'est chiant. Je m'en rapproche un peu. Oula, oula, oula. Ouais. Je sais pas si c'est qui me tire dessus, là. Oh la vache. J'en ai eu un, j'ai eu Jean-Charles. Bien joué. Oh, j'avais plus de vie, moi. J'ai plus de vie, faut que je me soigne. Il est à gauche, il est dans la ruelle à gauche, non? Il est sorti. Ah, il se rend. Tirez pas. Non, non, il y en a un autre qui me tire dessus, là. C'est l'otage, ça. C'est l'otage. Allez, là. Restez là-bas, monsieur. Non, faut qu'il vienne avec nous. Faut qu'on le mette à couvert. Venez, monsieur, non, venez. Les gars, Jordan, j'ai l'autre en mire là. Ouais, il a l'autre à la piour machin là, tu le vois aussi. Faites le tour au niveau de la voiture du gendarme. Gendarme, rentrez dans. Faites le tour là-bas. Ne traversez pas. Si, faut qu'il traverse. Les gars, sur la ruelle de gauche là. Ouais, de gauche, là, t'es où? J'en ai tué un, mais Léonard, il m'a tué, Léonard. What? Allez, venez là, dépêchez-vous, courez, monsieur, courez. Allez, courez. Vas-y, Jugame, vise, moi je vais le menotter. Venez avec moi, monsieur, là. Monsieur, vous m'entendez là, venez avec moi là. Oui, j'arrive. Faut que tu descendes, John. Tu descends. Alors, restez avec moi. Pour question de sécurité, mettez-vous au dos au mur. Face au mur. Je vais vous menotter, monsieur. Surveille, Jugain. Il y a pas mal de tombés là quand même. Il en reste plus qu'un, Leonardo. Il est où? Tu l'as? La petite ruelle. La petite ruelle. Faut qu'on y aille à 3, faut ouais, que tu descendes. Au niveau de la pluie ou machin. On y va, Chivaz? Attends, je mets l'otage ici à couvert. Il t'a pas suivi. Ici. Ah merde. Suivez-moi, monsieur. Vite. Le dernier braquage. Ah non, mais viens pas. Ah putain. Menottez-le, on est pas. Ouais, je l'ai menotté. Ah bah non, il peut pas bouger vu qu'il l'a menotté. T'es encore sur le toit, Jules? Yes. Ah, peut-être que tu descends, non? Non, mais j'avais vu. Sur la ruelle? Moi, je suis en face de la petite ruelle. Voilà, bougez pas, restez ici, monsieur, on revient. Voilà, vous me voyez par terre. C'est moi. Ouais, j'ai un visu. Tu tires où? Dans la ruelle? On voit que dalle, moi. Je sais pas, mais moi je le vois. T'es où, Chivaz? T'es avec moi ou pas? Ouais, je suis là. Il est où, le mec? Ah non, ça va tourner. C'est où? Derrière, il a fait le tour. Il est derrière où? Là, sur moi. Où ça? Là, Jugain, viens sur moi. J'ai besoin d'aide, les gars. Ah, ok, là. Ça, je me remets de la vie là. Ouais, je me remets de la vie. Vas-y. Il est sur un toit? Non, il est au petit parking. En bas, là, je le vois, attends. Ouh, là le camion. Là, sur nous là, regardez notre point, on est dedans. Mais oui, je vois, mais moi j'ai un visu là, mais. Ah oui, tu peux pas bouger. Oui, t'inquiète pas. Attends, je peux monter là-haut. Il a. Ouais, c'est bon, je vois. Il arrive vers toi. J'ai vu. C'est le dernier normalement. Oh là là, mais non, je veux pas descendre. C'est bon, il est mort. Voilà, bah, je lui tire en même temps, Bien joué, on était à deux dessus. Bien joué, les gars. Donc, il y avait John, Nicolas Trax, Lucas, Jean-Charles, Jordan et Leandro. Voyons le pompier. Nicolas Trax, est-ce qu'il est mort? Non, c'était lui l'otage, je crois. Vas-y, on rentre à l'intérieur. Bah...
Ça se trouve, il y a un gars à l'intérieur, faut faire gaffe, qui va partir tranquillement avec l'argent. Faire gaffe. Ouais, d'ailleurs, ouais. On va aller voir. Allez, les gars. On assaut la banque, On est au coffre, les personnes, RS. Personne, ok. Et il est où la personne, en effet ? Oh, juste. Parce qu'il est con. Ou il est suicidaire. Mais gaffe, qu'ils peuvent aussi aller aux étages. Ah, vas-y, à tuto. Nous, on repart maintenant. Ok. On va aller l'auditionner. Ouais, bah moi, je vais aller prendre la fin de série parce que là, il est très très tard. Ça marche. Moi, j'attends les collègues. Vas-y, va au commissariat, j'attends les collègues. Ouais, super. Ah, vous avez. J'avais réussi quand même à avoir. Ouais, il était juste blessé, donc on a pu. Je vais le mettre en. Il prendra pour tous les autres. Ok, très bien, mon colonel. Du coup, monsieur Lucas. Sandro. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Comment ils vous ont pris en otage, ces personnes-là là? Bon, bah, vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur, alors? Bah, vous allez me dire. Bah, pour braquage, monsieur. Bah, parce que là, j'étais dans le coma, alors du coup, j'ai un petit trou de mémoire, là. Ouais, mais là... Là, je vous cache pas que là, vous avez aucune chance de vous en tirer. Là. Vous allez prendre une grosse amende, monsieur. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Moi, j'ai pas d'argent. Ah, bah... Faudra trouver un moyen de payer, monsieur. Faites des crédits. On va voir ça. Alors, attendez. Ok, bon, ça sera bon pour moi. Par contre, je vous cache pas que vous avez passé la nuit en garde à vue, là. Donc, pour vous, c'est fini ce soir. Et tu as demandé de... Déjà, on faut retirer sa cagoule. Retirer son casque. Voilà, merci, monsieur. Bon, bah, monsieur, vous ressortirez bah, demain matin. Hein. D'accord. Vous allez passer la nuit ici. Comment il s'appelle, Julien? Vous avez un oreiller, au moins. Et une couverture, là. Ouais, une brosse à dents, s'il vous plaît. Il y a des petits matelas, il y a... Dentifrice. Des toilettes. Donc voilà, monsieur, on vous souhaite une bonne nuit. Ah, dormez bien. Dormez bien. Et à plus tard. Donc on le laisse ici pour la nuit, monsieur le colonel. Ouais. Voilà. Allez. Voilà.